Lundi matin, on se retrouve à la petite pause café. Hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de vous mettre en ligne la vidéo que je voulais vous mettre en ligne hier. Mais hier, j'ai fait ma feignasse. On est rentré de la balade. On a fait 7-8 km, 8, quelque chose comme ça. On est parti de bonne heure parce que, parce qu'ils annonçaient de la pluie toute la journée. Alors, il a plu un petit peu. Mais ça a été, mais on n'est pas ressorti après quand même, c'était vraiment pas top. Et on voulait quand même faire une activité, faire toujours pareil, se faire dépenser le chien. Donc on a changé de coin, franchement c'était super sympa. Et voilà, et on sait comme d'hab, quand on fait comme ça, qu'on part tout le matin, on se prend notre petit café et vers le milieu de la balade, on se fait notre petite pause avec le café, le petit biscuit. J'avais pris le biscuit pour le chien aussi, franchement c'était sympa. Et du coup, hier après, on s'est arrêté à Intermarché, parce qu'on est rentré, on est vraiment parti tôt, quoi, parce qu'on est rentré, l'Intermarché était encore ouvert pour reprendre des dentastiques, parce que ça vaut quand même vachement le coup, et que ça, le boubou, le dentastique, c'est la vie, après la balade ou le footing, il passe qu'à ça. Quand on rentre de promenade, il est comme un fou, il y a un petit sas, un petit hall d'entrée qui est fermé par une porte, il est devant la porte là, il gratte pour aller se foutre devant le tiroir où il y a les dentastiques. Il me fait trop rire, je vous le montre, il fait sa sieste monsieur. Ouais, il est fatigué le chien. Voilà, on est allé prendre les dentastiques, on est revenu, on s'est douché, on a mangé, après on a fait les feignasses quoi. Mon mari l'a regardé le rugby je crois qu'il y avait, moi j'ai, on a tous les deux fait une bonne sieste, ça fait du bien. Et puis après j'ai bouquiné, j'ai bientôt fini le premier là, il doit me rester une heure et demie de lecture, je pense que je finirai ce soir, de l'épée de vérité, Terry Goodking je crois, c'est pas mal, hein. Il y a des moments bien violents, mais bon, c'est intéressant, franchement c'est, même s'il y a des moments très hard, alors quand c'est vraiment trop violent, je visualise pas en fait. Vous voyez, je passe assez rapidement, alors bien sûr je lis parce que c'est important dans l'histoire et que ça en apprend sur les personnages, mais quand il y a du sang, tout ça et tout, je prends l'information, mais je ne me fais pas des images, parce que c'est vrai que moi quand je suis dans un bouquin qui me plaît, j'imagine, je vois les paysages, les personnages, voilà, je suis dans l'action, quand il y a des trucs violents... Voilà, je coupe un peu le visuel, sinon ça ne me plaît pas. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y en a 15 à lire, donc j'ai pas fini. Je vais voir, une fois que j'ai terminé, si je rempile avec le second. Apparemment, il y a un début et une fin dans chaque bouquin. Donc, c'est pas comme Robin Hobb, où voilà, l'histoire n'est pas finie, il faut continuer. Quand on commence un autre tome, c'est vraiment la continuité, quoi. C'est pas, ça se termine d'une certaine manière et puis après ça reprend. Non, là vraiment il faut continuer, tout s'enfiler à la suite. Là apparemment ça se termine, donc je sais pas, je vais voir. Bref, voilà, donc hier après-midi et ce matin, on est allé courir, ils annonçaient de la pluie, il y a du soleil, donc voilà, il a plu cette nuit. Donc ce matin, je dis on va aller courir parce qu'ils annoncent encore de la pluie demain, après-demain. Donc j'ai dit si c'est le seul jour de la semaine où je peux y aller. D'ailleurs, moi je fais comme ça pour mes activités, je regarde le dimanche, le week-end, ce qui va se passer la semaine d'après et je cale mes sorties en fonction, sachant que... C'est rare qu'il pleuve plusieurs jours d'affilée. Enfin là, c'était prévu aujourd'hui, demain, après-demain. Ce matin, on n'en a pas eu. Là, pour l'instant, on a du soleil. On verra les autres jours. Voilà, et puis bon, après, voilà, j'ai bossé. Hein. Là, j'ai encore du boulot, je vais continuer. Je faisais juste ma petite pause café avec vous. Je vous ai mis donc la vidéo en ligne. Voilà, sinon, pas plus. Je crois pas que j'ai grand-chose de plus. Je pense pas avoir de recettes à vous montrer. À midi, on va finir... je sais pas, parce que je m'étais dit je vais pas faire une grosse quantité, puis finalement la casserole a été bien pleine, le ramen. Donc on va manger ça à midi, et puis voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vais travailler, parce que ça bip là, et c'est du boulot qui arrive, donc je vous dis à plus tard. Mardi, on se retrouve, je regarde, j'avais une notification, alors hop, je recadre un petit peu, ouais, ça va mieux.
On se retrouve avec la petite pause café de milieu de matinée. J'ai bien avancé aujourd'hui. Hier, je ne vous ai pas repris. De toute façon, j'ai rien fait de plus à part travailler. Il faut peut-être que je me filme en travaillant entière. Je déconne. Voilà. Donc aujourd'hui, mon mari n'était pas pressé ce matin. Donc il est venu promener le chien avec moi. Ça, c'était cool. C'est un petit moment de partage sympa. On discute et tout. Parce que c'est vrai que seul... Le matin, des fois, c'est un peu kikinant, quoi. C'est pour ça que je préfère courir. Ça passe plus vite, même si on y passe le même temps. C'est pas pareil. J'ai fait mon sport, j'ai rangé, j'ai bossé, voilà. Et là, maintenant, c'est l'heure du petit café. Aujourd'hui, il va y avoir une recette, mais je me suis dit... là, on a plein de trucs hein, à grignoter. Avec la tarte de ce week-end, ça a utilisé que des jaunes d'œufs. Donc, avec les blancs d'œufs, j'ai fait des meringues. Ah, j'ai Boubou qui tape à la porte. Il me fait rire si je le vois pas et il file un coup de patte. Oh oh, toc toc, je veux rentrer. Mon bouchon. Et j'en étais où? Je sais plus. Ah oui, au meringue. Donc il y avait 3 blancs d'œufs. Les poules, elles préfèrent le jaune. Donc, et j'avais pas envie de manger que du blanc d'œuf. Donc c'était soit des financiers, soit des meringues. Je suis allée au plus rapide, les meringues. Et je les ai en plus trempées dans le chocolat. Voilà. Tant qu'à faire. Je vous montre, attendez, elles sont juste là. Hop. Voilà, des petites meringues au chocolat. C'est trop trop bon. Donc voilà, il y avait encore des cookies et tout. Donc c'est bon quoi. J'ai dit on va limiter. Mon mari il a pris 2 ou 3 kilos, je crois. Il s'est pesé. Il se pesait pas. J'ai dit mais pèse-toi un petit peu pour voir. Donc on va ralentir un petit peu. Et comme en plus il peut plus courir parce qu'il est. Il a mal au genou, tout ça, il doit aller chez le médecin d'ailleurs. Eh oui, bref, enfin moi je me nourris des amis, mais bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Oui, donc je disais que la recette, ça allait pas être pour nous, ça allait être pour Monsieur Boubou. Bah oui, lui aussi, il a le droit à avoir de la nourriture fait maison. Hein. Maman, elle va faire des biscuits pour le chien cet après-midi. Alors j'ai regardé un petit peu différentes recettes, je vais faire un mix de tout ce qu'il y a. D'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui m'avait dit que les biscuits de chez Action, c'était pas forcément top. Alors j'ai re-regardé la compo. A priori, ça va, mais bon, on peut jamais être vraiment sûr. Donc, effectivement, cet après-midi, on va tester les cookies pour Brio. Oui, ce coup-ci, ça va pas être juste goûter, ça va être tout pour toi, parce que nous, on ne goûtera pas. Hein? Oh, regarde mon boubou. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, vous aurez la recette des biscuits de chien. Mais c'est dommage, j'ai pas d'emporte-pièce en forme d'os. Ça aurait pu être sympa, ou de pâte et tout. J'en avais à une époque, parce que le chien que j'avais avant, je m'étais abonnée à la Oufbox. Dedans, il y avait un jouet, des friandises, des accessoires. Et une fois, un accessoire, j'avais eu des emporte-pièces pour faire des biscuits pour chien. Mais je ne sais pas où je les ai mis. C'était dans une autre vie. Bref, ben, il aura des biscuits en forme de biscuits d'humain. Je ne pense pas que ça va beaucoup le déranger. Il faudra juste pas qu'on confonde avec nos cookies. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà, ben, écoutez, sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ben non, je crois que j'ai rien d'autre pour l'instant. C'est calme en ce moment. Je sais pas super beau. Mais il pleut pas. Donc on peut promener. Donc ça c'est cool. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais continuer à bosser. Et je vous retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, ça sera cet après-midi. Pour la recette des biscuits de chien. Maman va aller préparer les biscuits. Pendant que Boubou il fait la sieste. Venu bien là mon chien. Ouais. Début d'après-midi, on est parti pour la confection des biscuits de chien. Alors, on va les faire hyper protéinés, ça va lui faire du bien. J'ai cherché plusieurs recettes, du coup j'ai mélangé un petit peu en fonction de ceux que j'avais. Il y en a beaucoup qui demandent, qui indiquent de la farine de sarrasin. Je pense en avoir, mais j'en ai pas. Par contre, il y en a avec de la farine de pois chiche, et ça j'en ai. Donc je vais les faire avec de la farine de pois chiche. Ça sera bien protéiné, ça va lui donner la pêche. Donc il y a 150 g de farine de pois chiche, 3 cuillères à café de beurre de cacahuète, un œuf et 80 ml d'eau. Voilà, il suffit de mélanger tout ça, de faire une pâte et on préchauffe le four à 180. Voilà, donc la farine de pois chiche, le beurre de cacahuète, l'œuf et l'eau. Franchement, je pense que ça va être bon. Bon alors ça colle un peu l'histoire, hein. Donc je vais pas l'étaler au rouleau, alors je sais pas si j'ai pas mis assez de farine ou si c'est la farine de pois chiche. Je vais faire des petites boules comme des cookies.
Et je pense que ça suffira parce que là, c'est pas, regardez mes doigts, c'est pas du tout possible de l'étaler. Bon voilà, en mettant de l'huile d'olive un petit peu sur les mains, j'ai fait des petites boules. Certaines sont pas très réussies, mais bon, le visuel, je pense qu'il s'en fout un peu. Donc j'ai passé ça au four pour à peu près une vingtaine de minutes. Et voilà, un joli bol de cookies pour Monsieur Boubou. Et je serai d'avis, ouais, c'est bien refroidi, on va les goûter en direct. Est-ce que tu voudrais un cookie? C'est un peu raide, hein? T'es bon? Ouais, t'en veux un autre? Allez, viens voir maman. Viens voir maman, oui, elle sourit. Qu'est-ce que c'est ces cookies? Ils sont là. Là, t'en veux un autre? Allez, t'en auras que deux. Hein, parce que papa, il va vouloir t'en donner. Tu t'assois? Ouais, ben, je crois que c'est réussi, les abonnés. Moi, j'aime bien mes cookies. Ouais, c'est bon, les gâteaux pour Boyo. Bon, ben, ils sont validés. Donc, ils vont être posés là, son petit bol, à côté de nos bols. Comme ça, quand on se prendra, nous, un petit gâteau, ben, lui, il aura droit au sien. Et je pense qu'il ne fera pas la différence. Voilà. Là... J'attends EDF parce que mon mari les a encore appelés. Alors, je vais me mettre au canapé, je vais vous expliquer l'histoire. Voilà, je suis installée. Et Brio, il ne quitte pas du regard le petit bol de biscuits sur la table. Ça sentait super bon, n'empêche, en cuisant. Mélange de pois chiches et de cacahuètes, là. Et c'est très bon pour les chiens, apparemment. On peut donner et le beurre de cacahuètes, j'ai tout vérifié avant, et les pois chiches. On va descendre un tout petit peu. Voilà. Donc EDF, l'an dernier, c'était au mois de février, je crois que c'était début février. Oui, tu voudrais encore des biscuits toi? Oui. Il regarde par là-bas, il y a les biscuits. T'es devant la caméra mon boubou. On va y arriver, vous avez un bout de truffe. Donc l'an dernier, début février, mon mari était travaillé, c'était un samedi. Il a le nez sur le... Allez, tu arrêtes de zioter les biscuits. Donc, ouais, mon mari travaillait, c'était un samedi. Et comme aujourd'hui, en fait, sans arrêt, des coupures. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Jusqu'au moment où ça a coupé définitivement, c'était vers midi, en fait, hein, fin de matinée. Donc, il est revenu, il y avait énormément de vent, comme aujourd'hui. On a appelé EDF, oui, 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 on va intervenir, on va intervenir. Ils sont pas intervenus. Le soir, je vais pour prendre ma douche, pas d'eau. Merde, c'est vrai qu'on n'a pas d'eau potable, donc on a un forage avec une pompe, et la pompe, eh bien, ça marche à l'électricité, donc plus d'eau, plus de chauffage, donc plus d'électricité, évidemment, plus d'eau, donc plus de douche. Oui, mon boubou, ils ont bon des biscuits, maman, j'en veux encore. Mais le plus embêtant, c'est plus de toilettes. Pour aller aux toilettes, ça c'était compliqué. Donc bon, on est allé se doucher au bureau de mon mari, ça c'est pas trop grave. Les toilettes, ben voilà, on a deux toilettes, donc on a économisé les chasses d'eau. Et voilà, et donc le dimanche, on rappelle une fois, deux fois. En fait, on rappelait deux fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et à chaque fois, c'était oui, 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 on prend en compte. Puis alors, à chaque fois, ils ouvraient un dossier, à chaque fois on rappelait, ils n'étaient pas au courant de l'appel d'avant. Oui, ben vous êtes en maison, vous êtes isolé. Alors, bizarrement, les voisins autour avaient de l'électricité, mais pas nous. Vous êtes isolé, donc bon, il y en a d'autres qui n'ont pas des coupures, donc vous ne passez pas en priorité. Donc, on a attendu le dimanche, le lundi. Là, franchement, c'était hyper dur psychologiquement, parce que quand, si on vous dit, bon, ben voilà, pendant 3 jours, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, vous gérez, vous vous organisez. Mais là, à chaque fois, c'était ben, on va intervenir dans la matinée. Et le matin, on a appelé. C'était on va intervenir dans l'après-midi. Mais ils n'intervenaient jamais. Et le lendemain, on rappelait. Ah non, on ne vous a jamais dit qu'on allait intervenir. Enfin, ça a été la catastrophe, quoi. Le lundi, en plus pour bosser, quoi. Puis bon, aller prendre une douche au bureau de mon mari. Le week-end, ça va. Mais la semaine... On y était allé le soir quand tout le monde était parti, quoi. Moi je sais pas trop. Parce qu'en plus ils ont la douche qui est avec les toilettes. Donc ça fait oui mon chien. Oui, ils sont là-bas les biscuits. Ça fait, si vous voulez, en plein milieu du couloir où tout autour vous avez tous les bureaux, vous avez des toilettes immenses avec une douche dedans. Je me serais mal vue aller prendre ma douche. Bref.
on a quand même eu un collègue qui lui a prêté un tout petit générateur qui a fait qu'on l'a branché une heure ou deux le soir et on a pu au moins remplir, faire marcher un petit peu la pompe pour remplir les chasses d'eau, quoi. Mais bon, voilà, on avait deux chasses d'eau pour la journée. Il fallait bien calculer, hein, quand on voulait aller faire pipi ou popo. Mais bon, psychologiquement, c'était l'horreur. Alors, je chargeais mon ordi au bureau de mon mari. Après, pour tout ce qui est téléphone, tout ça, ben, on avait on a une batterie solaire. Donc, voilà, on arrivait à gérer comme ça. Mais franchement, ça avait été l'horreur. Bref, ils ont fini par venir le mardi à 16h. Donc, du samedi midi au mardi 16h. Et en fait, ils n'ont pas vraiment réparé. Alors, moi, j'y connais rien, mais il y a une histoire de phase. Il doit y en avoir trois et il n'y en avait qu'une. Ils ont, dans notre compteur, fait un branchement, une réparation de fortune pour se brancher sur la même phase que les voisins. En disant que, bah, effectivement, c'était une réparation. J'ai la main du chien. C'était une réparation provisoire, parce que là, si cette phase-là, elle pète, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est au niveau du poteau électrique juste en face qu'il fallait faire la réparation. Ça, c'était il y a un an. Depuis un an, on leur téléphone très régulièrement pour leur dire la réparation. Parce qu'on leur a téléphoné aussi, parce que étant donné qu'on a été coupé tout ce temps, on avait droit à un remboursement, ce qui paraît évident, parce que bon, je vous passe le contenu du congélateur, du frigo, etc., tout ce qu'on a perdu. On avait droit, on avait calculé, d'après ce qu'ils disent sur leur site, on avait droit à 300 €, je crois, quelque chose comme ça. On les a toujours pas eu. Ça fait un an. On a appelé, oui, non, vous n'y avez pas droit. Oui, vous y avez droit, alors qu'on y a droit. Puisque c'est la loi, c'est comme ça, c'est marqué dans le contrat. Et là, la dernière fois que mon mari les a eus, il leur a dit, on vous envoie une lettre chèque. Donc, bon, on l'attend, on l'a toujours pas reçu. Mais ça fait un an que ça traîne, l'histoire. Et la réparation, pareil. Et là, depuis ce matin, ça n'arrête pas de nouveau. Il y a du vent de couper, se remettre. Sauf que là, c'est une réparation qui doit être faite. Ça va pas se faire comme l'autre fois rapidement, quoi. Donc du coup j'ai dit à mon mari, appelle-les et vois ce qui est possible. Et il les a appelés tout à l'heure, il m'a dit il devrait passer cet après-midi. Donc avec monsieur Boubou, on les attend, hein. Bah oui mon chien, ils sont bons tes gâteaux. Franchement c'est une réussite les biscuits. Là il est comme un fou, il est assis, vous le voyez pas, il est juste là. Hop. Il est assis là, il ziote les biscuits qui sont là-bas sur la table. Il me donne la pâte. Oui, moi, chien. Oh là là. Mmh, tiens, bon, les gâteaux. Ma maman, elle t'en refera. Bah oui, ça sera tes nouveaux biscuits du café. On n'ira plus au magasin. Non. Non, non, non. C'est meilleur fait maison. Enfin, voilà. Donc, j'attends EDF. Je vous dirai s'ils viennent. Mais j'y crois pas trop. Franchement, EDF, à chaque fois, je sais pas si vous avez cette expérience aussi. À chaque fois, on appelle. Oui, oui, on va le faire. Oui, oui, on va venir. Et ils viennent jamais. Ils font jamais rien. Enfin, voilà. Bon, petit update, un petit peu plus tard, EDF ne viendra pas. Mon mari m'a envoyé un message. En fait, ils l'ont contacté pour lui dire que les micro-coupures qu'on a, c'est dû aux cigognes qui font un nid sur la ligne. Voilà, et que du coup, ils ne viendront pas. Je lui ai dit, mais il faut quand même qu'ils viennent, parce que nous, on a notre réparation de l'an dernier... qui est toujours pas faite, quoi. Le gars il a dit oui je note, mais ils n'ont pas, quoi, ça c'est clair. Ils vont attendre que ça pète et que voilà, parce que le gars quand il est venu l'an dernier nous brancher sur la phase qui restait, je crois qu'il y en a trois, et sur le 3 il n'y en a plus qu'une qui fonctionne, en tout cas ça fait, moi j'y connais rien. Et il a dit voilà, c'est une réparation sur le poteau électrique et qui demande un peu plus de temps, quoi. Donc si demain, parce qu'ici on a beaucoup de vent, on avait même eu une tornade une fois, si demain ça se produit à cause de ça et qu'il y a plein de foyers qui sont coupés d'électricité, on va rester une semaine encore sans électricité, quoi. Ça me saoule parce que c'est un truc qui peut être fait quand il n'y a rien ailleurs, quoi. Mais bon, voilà. Donc, ils ne viendront pas. Voilà. Sur ce, on va croiser les doigts pour conserver le courant, que ce soit les cigognes, le vent ou je ne sais pas quoi. Et on va clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous vous portez bien. Et puis je vous dis
à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!